I'm tired of waiting. I'm back. Eh bien salut tout le monde, c'est DemonXOne, comment allez-vous? Moi je vais bien. Et donc après cette longue période d'absence, on se retrouve sur Call of Duty Ghost comme vous pouvez le voir. Ouais donc longue période d'absence parce que j'ai eu des problèmes techniques avec mon micro, ce qui fait que je pouvais plus commenter les vidéos. Et une vidéo sans commentaire, je trouve que c'est fait très vide et nul. Donc voilà, j'ai préféré ne pas en mettre et avec la musique, il y a les droits d'auteur, tout ça. Donc je ne vais pas le mettre. Et donc voilà, donc Call of Duty Ghost, on est en jeu d'armes sur Strike Zone comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous parler un petit peu de mon grand retour sur ce jeu, un petit peu la tonique, tout ça. Et comment dire, blablabla, mes nouvelles vidéos qui sont déjà en préparation. Et puis bah voilà, donc je vais commencer par vous parler de la partie. Donc le jeu d'armes, qu'est-ce que c'est? Si jamais vous savez pas, bah voilà, je vais vous l'expliquer. C'est pas compliqué, vous avez une série d'armes, je crois c'est une série de 19 armes, ouais. Ouais, série de 19 armes. Donc vous partez avec une toute petite arme au début. Donc là c'est souvent les M1911, enfin c'est les armes de poing quoi. Vous partez avec ça au début et il y en a aussi à la fin. C'est en Akimbo encore, mais c'est le plus puissant, c'est le Magnum. Magnum Akimbo avec une lunette à cog, histoire de... De rajouter de la puissance à arriver au couteau, qui est la dernière arme. Couteau de lancer et couteau normal. Donc le but du jeu d'armes étant de commencer, comme je vous l'ai dit, avec la plus petite arme, de passer toutes les grosses armes et revenir à une arme faible. Et par ce moyen donc de gagner la partie. Et donc vous passez par toutes sortes d'armes, hein, fusil d'assaut, fusil mitrailleur, fusil de précision, fusil tireur d'élite, les fusils à pompe, je crois que j'ai déjà dit. Ouais, enfin bref, vous passez par toutes les sortes d'armes du jeu. Au moins un style d'arme, au moins. Au moins par partie. Qu'est-ce que j'ai dit, n'importe quoi. Bon, bref, au moins un style d'arme. Ouais, par partie en fait, si je dis ça. Voilà. Donc voilà. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que vous allez me dire, le jeu d'armes c'est court, c'est rapide, ça sert à rien de faire une vidéo dessus. Bah figurez-vous que si, parce que c'est aussi, j'ai remarqué, le meilleur moyen d'XP sur Call of Duty Call of Duty Ghost. Ou Black Ops 2, ça va pas. Donc c'est le meilleur moyen d'XP sur Call of Duty Ghost. Ah non, vous XP c'est un truc de malade dessus. C'est pour ça donc que je préfère faire cette vidéo. Oula. Ah oui, donc vous passez par toutes sortes d'armes, même les armes que vous avez pas dans... que vous avez pas la possibilité d'utiliser quand vous faites créer une classe. Mais vous y passez quand même. Hein. Et puis, tant mieux, parce que la grosse sulfate là, c'est énorme. Après, vous avez les jumpers, hein, qui font kill 0, du moins fake. Mais voilà, donc en gros, vous allez passer par toutes sortes d'armes et vous allez XP très rapidement. Donc voilà pour la partie et le style. Ouh, joli ça. J'aime bien ce que j'ai vu. Wow. Les petits turns snipe, nos scopes et tout. Right, chaud. Bref. Et donc voilà, ça, je suis de retour enfin. Parlons un peu de la Tonix. Ouais, ça y est, la team va officiellement ouvrir sa chaîne. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un logo et une bannière. C'est moi qui m'y suis collé avec Cinema 4D. Je suis pas trop PC, GFX, tout ça. Donc j'ai fait vraiment ce que j'ai pu. À ce niveau-là, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Un truc assez potable pour la team, un truc joli. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi du coup retapé mon propre logo. D'ailleurs, je vais quand même remercier Cultorx pour m'avoir fait ce logo. Mais mec, voilà, maintenant j'ai le mien. Mais je te remercie quand même de m'avoir fait le premier. Voilà. Donc, franchement, si vous voulez essayer de l'avoir sur Skype, hein, son pseudo c'est Cultorx. Et c'est pas compliqué, il est pas mal en GFX, tout ça. Donc si vous voulez avoir des logos ou des trucs comme ça, allez le voir. Il a une chaîne YouTube aussi, donc je la mettrai dans le lien dans la description. Ensuite, donc voilà, parler de la Tonix, la team, tout ça. Maintenant, donc elle va bientôt ouvrir grâce à tout ça, ça je l'ai déjà dit. Et on va faire pas mal de vidéos donc sur Ghost. Je crois qu'il y en a qui vont faire du Minecraft, du mod. On va faire pas mal de zombies aussi. J'ai lancé un projet là aujourd'hui, Need for Speed, pour ceux qui veulent faire une espèce de course pour faire des délires. Enfin bref, on passera sur plein de jeux, voilà. Je mettrai aussi le lien de la description, le lien de la page Facebook dans la description. Et voilà pour la team. Donc ensuite, voilà, donc cette vidéo va bientôt se finir. Elle se finit sur ce kill. Je vais vous demander, parce que vous êtes sympa, hein, si vous avez aimé la vidéo. J'espère. Hein, j'espère que vous avez aimé.
Hein, t'as aimé, connard? Hein, t'as aimé? Hein, t'as aimé? Bref, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo partout, la page de la team aussi. Et donc, bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous assure que là, je vais envoyer du lourd parce que j'ai mes vidéos BF3 qui sont de côté. J'ai aussi du MW3. Enfin, ça va envoyer du lourd cette année, moi je vous le dis. Donc, bref, ciao tout le monde, à plus.